Aujourd'hui, avec Business News, on va vous présenter le nouveau Creta SUV facelift. Donc, ce qui diffère de l'ancien modèle, c'est la calandre chromée qui est en cascade et les feux de jour à LED. Donc, on a aussi les jambes 17 pouces. Donc, également une clé intelligente avec le bouton Start and Stop à l'intérieur. Les sièges sont rabattables de tiers en tiers. On a un coffre de 402 litres et la roue de secours de même dimension, 17 pouces. Le volant en cuir, il est multifonction. Il nous permet de contrôler et piloter le système audio, le téléphone, grâce au Bluetooth et le régulateur de vitesse. Donc on a aussi l'écran qui nous permet de contrôler l'autonomie et la consommation moyenne et le kilométrage du véhicule. Donc on trouve les infos. On a l'option allumage automatique des feux. Donc également les feux de jour à LED. Les feux sont directionnels, ils suivent la direction du volant et la trajectoire du véhicule. Le Creta est disponible en trois finitions, la boîte manuelle et deux versions en boîte automatique. Donc la finition la plus équipée est disponible avec le siège électrique, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, la boîte automatique, sellerie cuir avec le détail rouge sur piqûre rouge et les aérateurs en rouge, c'est le red package, et le toit ouvrant.